Tchabal. Cette localité, située à une dizaine de kilomètres de Ngaoundéré, est réputée pour l'élevage bovin dans la région de la Damawa. La race Goudali, prisée pour la qualité et la quantité de sa viande et de son lait, élevée d'une manière artisanale, a montré ses limites. Face à ces insuffisances, une révolution s'est imposée. La plupart des éleveurs ont changé de méthodes et techniques de travail. Nous sommes organisés en une coopérative de 10 personnes. La coopérative est organisée en plusieurs départements. C'est un groupe de producteurs qui a mis sur pied cette structure avec les races traditionnelles. Ces producteurs, regroupés au sein des sociétés coopératives, ont orienté leurs activités vers la filière laitière. On est en train de cheminer avec la production laitière. En termes de cheptel, nous sommes autour de 90 têtes, toutes catégories confondues. Produire du lait, c'est depuis plus de 7 à 8 ans. Nous avons commencé à produire du lait avec les vaches locales, les Goudali. Pour rentabiliser la filière, l'État du Cameroun a décidé d'accompagner les producteurs à travers le projet de développement de l'élevage. Des infrastructures modernes sont sorties des terres. L'État a formé des inséminateurs qualifiés, leur a doté du matériel qualifié pour pouvoir nous accompagner dans le processus de l'insémination, de reproduction, pour avoir des descendants performants, c'est-à-dire pour maintenir le cap de production. L'industrie laitière se développe peu à peu dans la région de la Damawa. Une production améliorée grâce à l'apport significatif des vaches laitières des races Montbéliard acquises en France au profit des producteurs. Nous avons deux races laitières. La race Holstein Pie Noir, que vous avez vu au niveau des étapes. Et puis la Montbéliard. Bon, c'est une exploitation qui a commencé bien avant l'arrivée de Montbéliard. Donc, ils ont acquis, je veux dire, les Holstein du côté du nord-ouest par le canal du projet Haïfa qui les avait importés, tels que les Montbéliard avaient été importés par le gouvernement camerounais. Vu l'engouement maintenant de l'exploitation, nos autorités ont jugé nécessaire d'accompagner cette exploitation dans le but de booster leur production, augmenter leur production, leur potentiel. Augmenter leur potentiel dans ce sens pour un peu commencer à renverser les tendances, c'est-à-dire vers l'importation, à produire au maximum le lait localement et limiter peut-être dans les jours à venir les importations massives de produits de lait. Plus de deux ans après le début de l'expérimentation avec ces Montbéliard, ajoutés aux autres races, notamment la race Holstein, importée depuis de nombreuses années, les résultats sont impressionnants. C'est le cas au centre de collecte de lait d'Idol dans l'arrondissement de Bélel. On a reçu aussi quatre génisses Montbéliard qui sont déjà des vaches laitières ici chez nous. Tous les quatre ont déjà mis bas. On produit matin et soir. Et on a reçu aussi, venant de l'État, un tank à conservation à lait. Avant, on n'en avait pas. On conservait ce lait jusqu'à 225 litres le soir. Et puis le matin, très tôt, on achemine ça vers les différents transformateurs. Pour obtenir ces performances, l'alimentation, le suivi sanitaire et la reproduction de ces animaux sont assurés grâce à un dispositif mis en place à l'Institut de recherche agricole pour le développement de Wakwa.
pour produire du lait, il faut vraiment donner une alimentation de qualité. Et par le passé, nous utilisons exclusivement du bracaria, qui est l'élément fourrage phare. Bon, avec le temps, nous sommes rendus compte qu'il y a encore d'autres variétés qui peuvent booster la production laitière. Raison pour laquelle la société coopérative s'est voulu vraiment ambitieuse et l'a fait importer. Et les variétés du fourrage comme de l'avoine qui fait booster la production laitière. Dans le champ de 30 hectares de bracaria, et comme vous voyez, les gens sont en train de semer. C'est une opération, c'est quoi? C'est de tracer les lignes et de semer en ligne pour permettre à ce que le bracaria puisse prendre. Donc voilà, et comme vous voyez, c'est tout le personnel qui est en train de faire l'opération de semis. C'est une ferme purement montbéliarde. Donc, quel est l'avantage de l'insémination artificielle? Elle nous permet de synchroniser des naissances, ça c'est bien. C'est-à-dire la synchronisation des naissances, c'est quoi? On choisit à quel moment nous voulons que les animaux mettent bas. Et elle nous permet également de capitaliser qu'on ait au moins un veau par vache par an. Artificielle dont nous avons les paillettes, les semences, les taureaux sélectionnés qui sont dans une bonbonne où les semences sont conservées dans de l'azote liquide à moins 196 degrés. On décongèle la paillette entre 35-37 degrés Celsius. Ça a été déjà fait et maintenant on monte dans le pistolet inséminateur. Et là la vache est déjà contentionnée. On va aller procéder à l'insémination artificielle. Qui est assez avancée, donc là on se rassure sur que la gestation bouge son cours sans problème. Donc là on a les petits laitons qui sont visibles avec le liquide amniotique et tout. Ils sont là, et tout ce qui est un peu plus bas, là voilà, une de ces parties. Nous avons ici derrière moi un troupeau de métis issu de l'insémination artificielle. Cette insémination a été faite ici à Wakwa. Nous voyons déjà ce troupeau est en moyenne d'âge de 2 ans et équivalent à nos animaux locaux qui est de 4 ans. Et vous voyez aussi effectivement la croissance de ces troupeaux-là. Et c'est le croisement entre la race locale Goudali et la race Montbéliard. Donc nous avons ici les métis Montbéliard de 2 ans d'âge. Le lait collecté dans les différentes fermes est acheminé ici à la mini-laiterie implantée sur le plateau de Mardoc en Gaoundéré.
que vous venez de voir, c'est l'analyse physico-chimique que nous effectuons généralement ici avant la réception du lait. Le premier test que nous faisons ici, il y a d'abord le test à la densité que nous faisons dans la salle de réception. Et ce que vous avez vu préalablement, c'est le test à l'alcool que nous venons effectuer, le test à l'acidité. Le test à l'alcool nous renseigne sur le degré de la contamination, si le lait a déjà commencé à se fermenter depuis la ferme ou non. Donc, dès qu'on arrive ici, si on fait le test à l'alcool et que le lait a déjà commencé à se fermenter lors de la ferme, dès qu'il arrive ici, le test à l'alcool est automatiquement positif. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà, si on homogénise l'alcool à 68 degrés avec le lait de 2 ml préalablement prélevé, on constate qu'il y a séparation du lait en deux phases, c'est-à-dire qu'il y a apparition du grumeau, c'est-à-dire une sorte de coagulon qui apparaît avec une sorte de lactosérum. Donc il y a séparation du lait en deux phases, c'est-à-dire le test à l'alcool est positif. Et en ce qui concerne le test à l'acidité, c'est juste un complément d'analyse qui nous renseigne réellement sur le degré d'acidité du lait, c'est-à-dire l'hydrolyse du lactose en acide lactique, puisque l'acidité du lait est due à cette hydrolyse de ce sucre, de cette macromolécule qui est le lactose en acide lactique, par les micro-organismes qui sont susceptibles de se retrouver dans le lait. Le lait cru en général est classé dans les produits à haut risque de contamination. Et pour éviter cela et que se conformer à la qualité, aux standards qui sont exigés par les organismes tels que ANOR, AFNOR, donc on est obligé de faire ces analyses-là. En 2017, la structure a vu le jour et en 2018, nous avons lancé la première production. Et nous avions une très petite capacité de 150 litres, 200 litres. Jusqu'en 2021, quand le Minepia nous a rétrocédé cette mini-laiterie, aujourd'hui, on est sensiblement dans le 2000 litres jour. Divers produits laitiers sortent au quotidien de cette mini-laiterie et sont livrés aux consommateurs dans plusieurs locaux.